La situation difficile en matière de liquidité de la Poste Banque est connue de tous depuis le mois d'octobre dernier. Les nouveaux responsables à la tête de cet établissement financier ne ménagent aucun effort pour mener à bien la mission qui leur a été confiée, offrir des services de qualité à une clientèle ayant des revenus intermédiaires à moindre coût. La Poste Banque a, par une discipline, par une rigueur, par les procédures qui ont été mises en place, à continuer à payer correctement les salaires de tous les fonctionnaires ou de tous les salariés qui ont un compte à Poste Banque. La Poste Banque paye régulièrement et à date les allocations de bourses dédiées aux étudiants. Le président directeur général, accompagné de ses proches collaborateurs, a souligné les efforts consentis par la Poste Banque pour relever ce défi majeur, répondre comme toute banque au retrait de la clientèle en temps réel de leur dû. L'État, actuellement, est en train d'examiner le plan de redressement qui lui a été soumis et l'État ne saurait tarder à nous dire exactement, à donner des orientations claires. Cet échange a également permis à Michael Adondé de faire le point du montant de la dette épurée. À la date d'aujourd'hui, nous avons payé sur ces dépôts 3,7 milliards. 3,7 milliards pour 67 700 clients. La Poste SA étant une structure financière publique, l'État s'est donc porté garant pour assurer le redressement de cet établissement afin de contribuer au bien-être des 320 000 clients de la Poste SA.